Bonjour mes amis co-créateurs, donc c'est Anne-Sophie du site www.changerdevie.com, changer de vie pour changer le monde. Je voulais vous présenter ma création d'un tableau de vision traitant de l'abondance financière. Donc en fait c'était aussi un petit exercice pour les novices qui ne savent pas réellement comment faire ou qui n'ont pas d'idées. Donc voilà, n'hésitez pas à piquer quelques idées là-dedans. Donc, on va commencer. Alors, moi, je récupère des photos via Google Images, tout simplement, qui me parlent, qui me font penser à l'abondance financière. Alors, un petit... moi, je préfère faire les tableaux de vision matériellement, moi-même, avec les ciseaux, la colle, tout ça, plutôt que sur Internet, sur ordinateur, avec un logiciel de traitement d'image. Je trouve que tout ce qui est matériel, tout ce qui est fait vraiment avec les mains, donne beaucoup plus de puissance à tout ça. C'est des petits rituels pour moi. Donc voilà. Donc voilà les photos qui représentent pour moi l'abondance financière. Donc il y a bien sûr l'argent. Vous avez un jardin, vous avez des jardins, des maisons. Une Jeep, qui représente pour moi, voilà, c'est super, une Jeep. Donc voilà. Donc, voici où j'ai travaillé et je vous présente mon classeur de rêve, qui est le classeur où je mets tous mes rêves, tout. Voilà, c'est mon classeur d'exercice aussi, c'est le classeur où je mets mes tableaux de vision. Voilà, donc moi j'utilise un matériel de scrapbooking, puisqu'avant, dans une autre vie, j'avais envie de faire du scrapbooking, chose que j'ai rapidement laissé tomber, par manque de temps. Mais donc voilà, j'utilise le matériel de scrapbooking pour ça, comme quoi, tout se recycle. Donc pour que ça rentre dans mon classeur, j'ai donc utilisé comme base une feuille A4, que je vais découper donc ma feuille cartonnée pour que ce soit vraiment plus solide au format de la feuille A4. Donc oui, comme vous pouvez voir, j'ai choisi la couleur verte du carton. C'est pas pour rien, c'est le signe de l'abondance financière, la sécurité financière. Donc j'ai choisi de mettre un premier fond d'argent, voilà, d'argent plein de billets. Ensuite, j'ai collé donc à ce truc, à ce tableau de vision, une copie de l'écran de mon compte en banque avec la somme que j'aimerais voir marquée dessus en m'y connectant. 17 500 €, je dois dire, ça m'irait bien. Voilà. Donc, j'y ai collé aussi un résumé de gains d'Amazon, puisque via mon site internet, via mon blog changerdevie.com, je propose aux internautes d'acheter des livres via mon site. Donc ce serait ce qui me rapporte une petite commission à chaque fois. Donc voilà, avec j'aimerais bien qu'il y ait 2 755 € gagnés, ce serait chouette. Voilà, donc j'ai décidé d'y mettre un titre, donc « Abondance financière ». Voilà, que j'ai fait. Bon, c'est pas très 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 joli, hein. Je suis pas non plus, voilà, j'ai pas fait des études d'art plastique, hein. Je suis pas... Mais bon, voilà, moi ça me va. Ensuite, chose importante, j'ai ajouté un petit texte, donc qui est une intention que j'aime relire en fait au fur et à mesure. C'est vrai que quand je regarde mon tableau de vision, j'aime pouvoir lire une intention. C'est comme, voilà, c'est comme je dis, c'est comme une prière de rituel. C'est, voilà, c'est tout ça. Donc, je vais vous la lire. J'attire à moi l'abondance financière, que cet argent vienne à moi facilement. Je l'invite à entrer dans ma vie, ici et maintenant. Donc, après, vous pouvez écrire de la manière dont vous souhaitez. C'est vraiment, il faut vraiment que ça vous parle. C'est personnel. Moi, j'aime. Voilà. Moi, j'aime écrire de cette manière-là, de cette manière un peu rituelle, comme je n'arrête pas de dire. Donc voilà, ce qui donne la première partie du tableau de vision, de mon tableau de vision sur l'abondance financière.
Donc cette première partie est réellement basée sur l'argent, vraiment l'argent physique, les billets, tout ça, le compte en banque, tout ça. Donc on va voir la deuxième partie. Donc la deuxième partie qui sera basée sur, voilà, sur l'habitation que j'aimerais avoir, la propriété. Donc on ne voit pas, mais le carton, on voit très mal, mais le carton est couleur bleu ciel au sol. Voilà, je parlais pour une maison au soleil, quoi. Donc moi, mon rêve, c'est une hacienda. Donc c'est pour ça que en fond, j'ai collé une photo d'une hacienda. Hop. Alors, donc voilà, donc, moi, ce serait une hacienda avec un immense jardin et dont un petit jardin secret, voilà, pour les gens initiés, on va dire. Donc voilà, alors toujours, j'ai souhaité remettre une petite note hein, d'argent matériel, physique avec le cash, hein, c'est-à-dire que je veux payer cette habitation, cette propriété cash, forcément, hein, pas de crédit. Hein. Et puis bon, bah, j'ai ajouté un petit texte, alors, qui est « J'attire à moi l'abondance financière, que cette abondance m'apporte la propriété de mes rêves, ici et maintenant. » Voilà. Encore une fois, j'aime lire mes intentions sur mes tableaux de vision. Donc voilà. Voilà mes deux petits tableaux hein, qui ont été assez rapides à faire. Hein. Je suis pas, comme je dis, hein, je n'ai pas artistiquement parlant. Voilà, l'art plastique, c'est pas non plus mon fort. Donc voilà. Ces deux petits tableaux de vision qui vont bien, qui vont trouver leur place donc forcément dans mon classeur de rêve. Alors le classeur de rêve, c'est vraiment. Alors moi j'ai pris un classeur pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut arracher des pages, on peut en mettre, on peut les bouger, on pourrait écrire blablabla bla bla, par rapport à un cahier qui est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué à gérer. Donc ce classeur de rêve se trouve sur ma table de nuit et en général tous les soirs j'aime le feuilleter, relire les textes que j'ai écrits. Voilà, ça apporte beaucoup de joie. En général, je me couche toujours avec le grand sourire et plein d'images dans la tête. Donc voilà. Donc ce petit tutorat, hein, j'ai envie de dire, je vous ai proposé sur mon site, Changer de vie pour changer le monde. Donc vous pouvez me rejoindre. www.changerdevie.com. Sur ce blog, vous retrouverez de nombreux articles qui vous fait part en fait de mon changement de vie personnelle et celui de ma famille pour réaliser mes rêves, les nôtres, nos rêves, notre vie rêvée de famille en fait. Et vous y trouverez des informations pour utiliser la loi de l'attraction pour ceux qui ne connaissent pas, pour l'appréhender déjà. D'ailleurs, n'hésitez pas à télécharger le e-book qui vous est proposé gratuitement, que j'ai moi-même écrit, qui vous propose cet exercice pour apprendre la loi d'attraction, dont un exercice sur la création de tableaux de vision. Donc voilà. Pourquoi changer de vie pour changer le monde? Tout simplement parce que c'est en changeant nos vies, nos habitudes, que ce monde sera enfin sublimé. Car ce monde n'est pas encore à l'image de ce qui devrait être vraiment. Voilà, je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo sur le blog pour que je sache si vous avez aimé, ce qu'il faut que je change. Voilà, j'espère que le son sera bon. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Donc voilà. N'hésitez pas si vous souhaitez me contacter à m'envoyer un petit mail sur anne-sophie.po. @changerdevie.com. Je vous embrasse tous, à très bientôt.